Ça y est, les amis, les poules ont mangé, nous avons fini de traire les vaches, et le silo a été rempli à ras-bord de grains de maïs pour les 3 prochains mois. Alors prenez à manger et buvez ce que vous voulez. Tout a été fait avec les produits frais de la ferme. La fête peut commencer. Allons-y, c'est parti. Allez, on va bien s'amuser. Oui. Génial. Oui. J'adore cette musique. Oh. Eh ben dis donc, il y a du vent. Oh. Ah. On dirait qu'un gros orage arrive sur nous. Ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer la fête à l'intérieur en attendant que l'orage passe. Allez les amis, tout le monde dans la grange. Parfait. On a oublié personne? Non, oh, Blanche-Laine n'est pas là. Où est passée Blanche-Laine? Qu'y a-t-il, Toutou Mimi? Blanche-Laine est restée dehors. Oh non! Pauvre mouton apeuré. Va la chercher, Scout. Allez, maintenant, ramène-la. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, vous entendez ce bruit? Ça ressemble à du pop-corn en train d'éclater. Le silo est rempli à ras-bord de grains de maïs. Ce sont les grains qui éclatent. Oui, j'aime cette odeur, on en mangerait. Waouh, regardez! Je n'ai jamais vu une chose pareille. Une gigantesque tempête de pop-corn! Monsieur Joe, vous croyez que Scout va pouvoir ramener Blanche-Laine? J'espère bien, Molly. Par là, Scout! La ferme est par là! Je crois qu'il ne sait plus où il est. Toutou Mimi, qu'est-ce que tu fais? Quelle idée a-t-il derrière la tête? Je sais! Il fait ça pour pouvoir retrouver son chemin! Oh là là, que d'aventure! Sois prudent, Toutou Mimi! Tu as réussi. C'est bien, mon petit Scout. Et tu as été parfait comme chien de berger, Toutou Mimi. À la santé de Toutou Mimi et Scout, les deux meilleurs chiens de berger qu'un fermier puisse avoir. Monsieur Joe, et la fête dans tout ça? Eh bien, ne t'en fais pas, Luna. Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer dans la grange. Allez, c'est parti.